Salut mon ami, comment tu vas? Ma chérie, et toi, ça va? Tu me regardes toujours, tu ne partages jamais, tu ne t'abonnes jamais, c'est pas gentil. Je t'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que ce genre de vidéos-là, faut les partager au maximum. Tu comprends? Fais ça, hein? Ça me soutient et puis ça informe beaucoup d'hommes. Excusez-moi. Tu as compris, non? Merci. Tout à l'heure la vidéo. Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, c'est la super forme. Dieu merci. Plus de maladies, je suis en pleine forme. Le travail peut recommencer. Voilà. Avant de parler même du sujet qui me tient à cœur, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est le 21. J'ai dit 21. Et le 22, qu'est-ce qui se passe du côté de Paris? Moi, je vous demande. Le 22 juin, qu'est-ce qui se passe du côté de Paris? Dans une discothèque qui fait sa réouverture, avec un artiste select. Un artiste non des moindres, un artiste que vous avez attendu, on va dire, pendant de nombreuses années. Après ce périple qui vient à vous, c'est son avant-dernier jour. Donc imaginez un peu ce qui va se passer. Imaginez un peu ce qui va se passer. Imaginez un peu ce qui va déployer de sa gorge. Je vais vous parler de Debordo Likoufa. C'est ce 22 juillet, la Diva Nightclub. Voilà, ce 22 juillet. Il vient pour casser Paris. Il vient pour imposer le respect. Il vient pour vous savoir que c'est un gros, 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 un très, trop gros poids lourd dans ce showbiz ivoirien là, surtout dans ce coupé décalé. Voilà. C'est un artiste qui promet, qui a un grand et bel avenir. Il faut qu'il juste il s'en rende compte, c'est tout. Moi, je suis Debordo à vie. Voilà. Chacun sa façon d'être fan, mais moi, je suis Debordo à vie. Gardez ça à l'esprit. Voilà. Donc c'est ce 22 juin à l'Ivoire Nightclub à partir de 22h. Mayan de Paris, Forca Deborda de Paris, tous les fans de Deborda de Paris, de toute la France, dépassez-vous massivement vers Paris à l'Ivoire Nightclub. Deborda vient avec du lourd, avec des exclusivités. Voilà, son album est déjà fini, ça c'est le scoop que je vous donne, son album est presque fini. Donc déplacez-vous pour découvrir certaines belles choses, certaines belles surprises. Bref, parlons maintenant de ces inondations-là qui ont tué plusieurs personnes. On va dire avant-hier, 19 juin, dans la commune précisément de Cocody. Ça a fait aussi des victimes du côté de Benjaville, du côté du Banco. Mais c'est quoi la raison de vous à moi? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui a créé ce déluge-là? Non! Ce déluge, on dirait qu'il est naturel, mais qu'est-ce qui a créé ces morts? Qu'est-ce qui a créé cette catastrophe-là? C'est vrai, la nature a joué son rôle. Elle n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. Elle vient quand elle veut, elle agit comme elle veut. Il n'y a pas de problème. Je ne vais même pas m'attarder sur le gouvernement. Je vais m'adresser aux populations. Vous comprenez pourquoi on vous dit de ne pas être sale? Je ne vous insulte pas, mais je veux dire de ne pas être sale, d'être propre, d'être très, très, on va dire. Je ne sais pas les mots, mais je vais dire. D'être, de rendre son environnement propre. Parce que quand chaque fois on achète des beignets, on achète des trucs, des sachets d'eau, on boit, on jette là, c'est l'accumulation de ces sachets d'eau là qui ont bouché tous les caniveaux là. Est-ce que vous comprenez un peu? Les ordures qu'on jette n'importe où et n'importe comment, c'est ce qui a bouché ces caniveaux, là. Je m'en excuse. Vous comprenez un peu? Les gens sont morts, ça fait mal certes, mais c'est nous-mêmes qui les avons tués aussi. C'est nous qui avons créé ça. Non, c'est pas ça, c'est la population. Ne vous fâchez pas. Parce que moi, je n'aime pas caresser dans le sens du poil. Quand il y a quelque chose qui est là, je dis que c'est là. Même si le gouvernement aime bien agir comme les médecins après la mort, je les rejette même pas la faute dessus. Cette catastrophe-là. Ce gros problème qu'on a eu avant-hier, là, c'est aussi de notre faute. Nos populations. Je ne sais même pas pourquoi on ne peut pas tricher sur l'Angola, sur le Ghana. Ils ont compris que le développement, là, avant même que vous demandiez au président d'envoyer les milliards, d'envoyer les bailleurs de fonds et tout ça, c'est ici que ça se passe en fait. Il faut changer sa mentalité. Il faut avoir le courage de changer ses habitudes. Parce que sans le savoir, tu as tué des gens. J'ai tué des gens. On a tous tué des gens.
On construit n'importe où et n'importe comment. C'est l'État qui construit aussi. Parce que l'État dit ici, on ne construit pas. C'est vrai que c'est un joli terrain que tu vois. Il est bien à construire, mais on ne construit pas ça. Parce qu'il y a des chercheurs, il y a des gens qui ont pensé, qui ont fait une étude sur cet environnement-là. Et ils ont décidé qu'on ne construisait pas ici. Soit parce que, on va dire, le sol n'est pas propice à recueillir un bâtiment. Ou soit parce que c'est un passage de ruissellement d'eau. C'est ce que les gens ne savent pas. Il faut changer ici d'abord l'esprit, les mentalités, la manière de réfléchir. On se plaint. Le gouvernement ne fait rien, ils sont là en train de bouffer le blé et tout ça. Oui, on est d'accord, on sait tout ça. Maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu fais? Chaque jour, quand tu te réveilles, tu es au travail, tu es à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu passes pas ton genre à jeter n'importe quoi dans la rue, à pisser n'importe comment. Quand toi, le papa ou toi, la maman, tu as un peu d'argent, il suffit qu'on te dise qu'il y a un terrain en vente ici. Tu sais même pas si ce terrain qu'on te vend là, la place où il est là, c'est une place à construire. Parce que le prix est bon, tu achètes. Et tu te presses même de construire. Demain, tu pleures de voir ton immeuble s'écrouler. Ça me fait mal. Parce que quand même, plus de 18 personnes, c'est beaucoup. Une personne même, c'est déjà assez. Enfin, la vie humaine n'a pas son égal. Il y a pas, on ne peut pas monnayer la vie humaine. C'est vrai qu'il y a des personnes de mauvaise foi, de mauvais esprit, qui ça donne à tuer des gens pour des sacrifices humains. Mais c'est pas de ça qu'on parle. La vie humaine n'a pas de prix. Les gens sont morts, c'est fini. Hein? La vie continue. On va les oublier. Mais c'est nous qui les avons tués. Faut que je vous le dise ça. C'est nous qui les avons tués. On ne peut même pas changer d'esprit, même pas changer de mentalité. On est toujours dans nos mêmes bêtises. Bon, tu sais quoi de garder et trouver une poubelle, mettre ça dedans. Que de jeter ça dans un caniveau. Toi qui te caches dans la nuit, quand ta poubelle est remplie, et puis tu regardes de gauche à droite, et puis tu as jeté les ordures dans un caniveau là. Tu penses à qui tu fais du mal? Comme je lisais sur les réseaux sociaux un commentaire, ah, mon ami, si c'est que ta maison où tu es n'est pas en sécurité là, c'est mieux tu vas attacher briques sur ton pied et puis tu vas dormir. Hein, parce que le même chose de ruissellement d'eau là peut venir te tuer aussi. Vous bouchez toutes les voies de ruissellement d'eau. Vous voulez que l'eau passe sous ça? Mais ça va rentrer dans vos maisons. Vous construisez n'importe comment. Vous voulez que l'eau passe sous ça? Dans nos maisons. Casser nos maisons. Tuer nos enfants. Tuer nos parents. J'ai trop mal. En tout cas, c'était mon ras-le-bol. Et puis vous aussi, le gouvernement, prenez des mesures adéquates. Hein. Voilà. Prenez des mesures idoines. Prenez des mesures, même si vous voulez, drastiques. C'est vrai que vous avez beaucoup de mesures drastiques. Quand maman Anne Loto vient avec ses mesures, casser tout, on se plaint, mais quelque part, c'est pour tout ça aussi. Non, franchement, vous aussi, mettez-y du tien, quoi. C'est vrai, nous aussi, on déconne la population, mais vous aussi, vous avez une part de responsabilité dans cette catastrophe qu'on a vécue hier. C'était mon message d'aujourd'hui. Partagez-le si vous a plu et puis on est ensemble. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Changeons nos mentalités. Le développement, c'est pas dans la bouche, c'est pas avec l'argent. Il est d'abord mental. Merci.